Bonjour, je suis Zubeth Rabad. Nous avons emménagé dans une nouvelle maison et je voudrais inviter un rabbin pour qu'il nous pose une mezouza. Ah, on peut le faire seul? C'est parfait. Alors, nous allons commander 5 mezouzettes? La porte d'entrée, la chambre à coucher, les deux chambres d'enfants et la terrasse, 5. 5. Elle se trouve à toutes les portes des maisons juives, partout dans le monde. C'est notre signe de reconnaissance. Depuis des milliers d'années, elle nous protège le jour et la nuit, la mezouza. Ce que je tiens à la main, c'est l'étui, ce qui recouvre la mezouza. À l'intérieur se trouve un vrai parchemin fait de peau. Un scribe, appelé Sofer Stam, y écrit à la main avec une plume et une encre spéciale des versets de la Torah qui parlent du commandement de la mezouza et de l'amour de Dieu. On fixe la mezouza du côté droit de la porte, dans le sens de l'entrée. On s'assure que la mezouza est droite. Avec la lettre Shin en haut, on dit la bénédiction. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidashanu b'mitzvotav etzivanu likbo mezouza. On fixe la mezouza dans le tiers supérieur de la porte, incliné vers l'intérieur de la maison. À chaque fois, en entrant ou en sortant de la maison, posons la main sur la mezouza et souvenons-nous qu'il y a toujours quelqu'un qui veille sur nous.